Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 10 de l'Empire de MDJ. Un let's play sur le jeu César 3. Tout de suite, avant de commencer, où est mon téléphone? Hop! Ah, excusez-moi. Hop, 30 minutes. Démarrer le chrono. Ok, on commence le chrono. Donc, j'ai réfléchi pour terminer cette mission, parce que l'objectif ce sera de terminer cette mission durant cet épisode. Deux choses. Premièrement, il nous manque des lieux de culte. J'ai décidé de viser dans le gros. Pour cela, il va nous falloir du marbre. Donc, on va importer du marbre pour commencer. Et j'ai dit quoi d'autre? Ah oui. J'ai fait quelques petites recherches sur internet et j'ai lu 2-3 conseils par-ci par-là. Non, c'est pas ça que je voulais. On va réduire la vitesse. Et comment? Il est conseillé quand on est sur une carte désertique de jouer beaucoup avec les risques d'incendie. Les risques d'incendie. Et là tout de suite, on y voit plus clair. Et c'est extrêmement bizarre. Donc en fait, c'est là où il y a le plus de... Voilà, par exemple ici, là, c'est vraiment important comme risque. Dans ce cas, on va mettre une préfecture supplémentaire. On va mettre des préfectures partout où le risque est un peu élevé. Tant pis, on va... Donc on devrait avoir un petit peu moins de problèmes. Là je comprends pas, là, franchement. Ah bon. Après il y a aussi les risques d'effondrement, donc... Je finirai l'import de marbre après, puisqu'on va devoir poser un entrepôt spécialisé donc dans le marbre. De quoi s'agit-il ici? Ah oui, les ateliers d'huile. Voilà. Ok. Et seconde carte de risque, les dégâts. Où il y a un fort risque de dégâts. Là, en même temps. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Nulle part. Ah ouais, vachement, ça va être vachement. Il sait pas ce que c'est. Ça avait l'air d'être une... Donc on va remettre un petit peu plus. On a regardé la carte de dégâts. On va partir par là. Toujours un petit risque de dégâts, mais pas énorme. Dans l'ensemble, c'est assez bien couvert, mais bon. Ok. Voyons voir un petit peu ce qu'on a dans les autres risques. Incendie et dégâts. Dans la criminalité, il ne devrait pas y avoir énormément de soucis. Oula, ah si. Je
Mais ça, c'est parce que ici, je n'ai pas fait d'industrie. Et de toute façon, j'avais prévu. C'est quoi ça? C'est les. Comment ça? Tu dégages, tu veux pas t'intégrer, tu dégages. Ça va rappeler une affaire, ça. Ok. Donc on va retourner de ce côté-là. Bah en fait, là, on avait ça, là. Finalement, tu vas aller me chercher du marbre. Et les olives, et ben. On en est où dans les forces de travail? Ok, donc on va arrêter la production d'olives. Parce que. Parce qu'il y en a un peu marre là, j'en ai un petit peu trop. Donc voilà. Donc on apporte du marbre, donc je sais que ça va me coûter un petit peu cher, mais bon. Pas trop le choix. Et dès qu'on aura un petit peu de marbre, on aura ainsi la possibilité de se créer des gros temples, des grands temples. À commencer par ici, je vois qu'ici ils n'ont pas de temple, on va pouvoir mettre un. Et on se servira évidemment de la carte de religion. Qui va nous donner les indicatifs. Nécessaire. Donc voilà, donc on peut voir les curés qui se déplacent. Ok. Juste à côté, explique-moi! Bon, ce que j'ai compris aussi, il y a des points dans les zones qui sont de toute façon des zones à risque pour les incendies. Donc, Et puis de toute façon, c'est quoi? C'est de l'olive? Et ça tombe bien. Moi, j'avais prévu quelque chose au niveau de l'olive. Faut pas se gêner. C'est qu'ici il me faut de l'industrie, dans tous les cas, parce que j'ai un taux de chômage un petit peu élevé. Finalement le taux de chômage n'est pas si élevé que ça en plus, c'est le pire. Parce que je comptais ici me générer un petit peu de chômage pour pouvoir mettre après les industries et j'étais sûr qu'elles fonctionneraient. Ok, ça ici peut se pousser. Ça devait être un théâtre je pense. On va le mettre ailleurs. Donc en fait ici moi je comptais mettre les quelques industries Oh attends ouais bah oui comment il y a le on en est où niveau meubles par exemple. Ouais, on peut pas l'exporter de toute façon. Par contre, qu'est-ce qu'on peut. Par exemple, il y a les armes. Les armes, je sais que ça coûte assez cher. Et on pourrait en produire plus pour en exporter plus. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire plus d'ateliers d'armes. Ici. L'olive aussi, l'olive, on l'exporte l'olive. Enfin, l'huile, on l'exporte. Et ben, on va, dans ce
jusqu'à on va quand même se créer les 5 ateliers d'huile. Merde. Vous en êtes où? Vous ressemblez à quoi? Okay. C'est là-bas en plus. Recevoir un message, je connais pas la personne. Ah, mais c'est pas possible. Aussi c'est le bordel, ça arrête pas de cramer, donc moi ici j'apporte. Les zones qui arrêtent pas de s'effondrer, je laisse tomber. Je laisse carrément tomber. Il y en a ras le bol. Là ça crame là, mais personne réagit. Au niveau notamment au niveau de la nourriture, les réserves s'épuisent. Bon, d'accord, okay. 20% de chômage, plus d'école. J'ai dit qu'on allait se baser un petit peu sur la culture, donc on va carte éducation école partout où ce n'est pas suivi par l'école. En mettre, hop tiens, hop, pour la peine je vais le mettre là où il y a, là où ça manquait, là où il y a, où ça a été, où ça a été détruit. Voilà, hop, on voit le paquet. Okay, ici c'est couvert, ici ça ne l'est pas. On va en mettre une quand même. Là. Ici. On va remettre une préfecture. On va remettre notre forum. Et on va mettre la fameuse école. Couvrir l'autre moitié donc de la zone. Ok, ça couvre, ça couvre. Au niveau de l'éducation, on va voir pour les universités à présent. Hop, hop. Si on couvre pas 100%, c'est pas dramatique. Bon. Non, on doit être pas mal là. Tu parles à mon cul. On en est où niveau marbre? Est-ce que ça arrive? Ça arrive, tant mieux. On va pouvoir se faire déjà 4 temples. Grand temple, allez, on va prendre du Vénus parce que j'aime bien Vénus. Religion. Alors, par où ce n'est pas couvert? En fait, c'est couvert à peu près partout parce que j'ai bien fait le travail, mais. Oh,
ici par exemple ça va être ouvert, hop, voilà, on va mettre un grand temple. Ils sont très très beaux les grands temples. Citoyens, bon, je les ai. Je suis à 5003 exactement. Bon, donc ça progresse, ça progresse, ça progresse. Ok, culture 49, prospérité 30. Je suis sûr que si je repasse à 100%, je passe le niveau. Putain, je crée combien? 3 grands temples. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? On va mettre quelques oracles. On va bien voir ce que ça donne. Je sais même plus où en caser moi. Bah arrêtez de boire. C'est ce que je vous dise. J'atteins le niveau de culture. Maintenant, c'est la prospérité qui manque. Donc, il faut écouter notre bon peuple. Toi t'es un endroit là. Allez hop. Voilà. Si tu voulais de la distraction maintenant t'en as. Et je suis retombé à 4000 en population. Je... Faut croire que je dois laisser quand même un entrepôt importer le...
Bon, le marbre, j'en ai assez, donc c'est bon. On va quand même laisser un entrepôt ramener le blé, parce que je pense que c'est ça. Je sais plus vraiment comment ça marche le système d'import-export. Il me semble que c'est par les entrepôts et je suis pas du tout sûr que les greniers en fait font vraiment bien office de. Veuillez m'excuser. Ok, donc c'est bon, on est de retour. Alors, dit donc on devait améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Et notamment via la nourriture. Donc on va essayer de voir un petit peu la classe. Ce que la classe supérieure a besoin, ce dont la classe supérieure a besoin. Pas suffisamment de quoi se divertir dans le secteur. Et ça c'est. Ah d'accord. Pas assez de main-d'œuvre dans le secteur. Je manque de main-d'œuvre? Fous de ma gueule! Bah. Là, je sais pas quoi dire. Là, je suis. Waouh! Manque de main-d'œuvre. J'ai peine à le croire, mais ouais. Bon, attendez, on va. Parce que je préfère être au ralenti pour tout ça parce que. Alors, oui, non, cap normal, ça se. Non, je voulais risque. Juste risque de criminalité parce que c'est. Parce que c'est ce qui monte le plus les dégâts. Je voudrais réparer un maximum de dégâts. Parce que les dégâts ça arrange rien à la prospérité quoi. Voilà, par exemple ici, hop, voilà. Sans forcément réparer parce que. Bon, écoutez, pour le moment les dégâts ça a l'air de tenir. Enfin, ça a l'air d'être bon. Ok. Avec la bouffe, ça fait un peu pitié. Hein. Ah non, d'accord. C'est là où il y a des problèmes, en fait. Donc, en gros, plus il y a une un truc, plus ça craint. Bah, pourtant. Ce que je peux voir, il n'y a pas réellement de problème. Oula! D'accord. Préfecture. La préfecture a pris feu aussi, ça c'est pas un comble. Bon. Bon, on a ce qu'il faut, on peut faire 6 temples ou 6. Alors là, la culture. Crever le plafond. Bon. On dit que la prospérité est en hausse. En même temps, je viens de supprimer des. D'accord, donc là, il y a des problèmes.
problème, c'est le problème temporaire, mais ça empêche de... Bon, lui, c'est bon. En même temps, comme ça, il me vide un peu mes enfants. Pushing carts all day long takes energy. As a cart pusher supposed to carry on without move. Oh putain. Qu'est-ce qui vient de se casser la gueule là? Fabrique des meubles, ok. On va refaire un tour du côté des risques pour voir un petit peu ce que ça donne. Juste, je refais mes. Ah non, c'est du meuble. Puis il y avait un chantier de bois aussi. Alors, risque, on va commencer par les incendies. Qu'est-ce que tu voulais que je vous dise là? Il y a un risque d'incendie là, mais. Mais il y a une préfecture juste à côté, il y a des préfectures partout! Bon, on va partir du côté de des risques de dégâts. Bon, là, on va remettre une petite étude d'ingénierie et préfecture. Ça clignote un peu de partout, quoi, en fait. Bon, c'est très joli à voir, mais bon. Il y a les amphithéâtres aussi. Ouais, mais bon, c'est pas la culture qui manque là. C'est la prospérité. Bon, ici c'est une terme qui vole. Donc on va leur donner une terme. Parce qu'ici, non, elle est trop loin. On va leur donner. Ah oui, l'huile, c'est vrai. Est-ce que je manque toujours de travail? Non. Donc je peux réactiver l'huile. Enfin, les olives. C'est vrai que ça a bien descendu, les olives. Bon. C'est bizarre, j'ai un fort qui tourne pas. C'est déjà le fort qui avait merdé au début de partie, je vais essayer de le reconstruire. Excusez-moi, j'ai pu éternuer, je sais pas si vous avez entendu. Ah oui, il y a carrément plus d'huile quoi. Enfin, il y a plus carrément plus d'olive quoi, c'est. Rupture de stock quoi. J'ai laissé inactif trop longtemps. Bon, ça fait rien.
Eh, le Patreon, on est où? Pourtant, il... J'avais dit que là-bas, dans ces environs-là, je créerais un entrepôt qui importe des poteries également. Donc je vais le faire. Ah, d'accord. J'ai oublié de relancer le chrono, donc... Allez, j'ai envie vraiment, c'est de finir cette partie. J'ai envie de la finir, donc on va la finir. Donc tant que je n'aurai pas passé ce niveau, on continue. Et j'aurai envie, c'est carrément, c'est, voilà, tout ce qui n'évolue pas, ça va servir aux autres. Lui, c'est la poterie qu'il veut. Bon, allez, admettons, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est la nourriture, c'est toujours la nourriture le problème. Bon, on va prendre la classe au-dessus alors. Eux, par exemple, qu'est-ce qu'ils veulent? La distraction, ben voilà quelque chose que je peux fournir. Et j'ai vu que je ne fournissais pas d'amphithéâtre, donc on va essayer de mettre un amphithéâtre quelque part. Voilà. Faire évoluer un petit peu les... Tu déconnes là. D'accord, pour qu'ils fournissent... Non, attends. J'ai rêvé ou... Ou je viens de voir un truc là, attendez. Un marché non évolué. Enfin, un marché non évolué. On va voir un petit peu là. Oui, ils ne vendent pas de poissons s'ils sont pas évolués les machins. Bah voilà le problème. Et la poterie, pareil, c'est... Bah, c'est bizarre, lui, il... Non, en fait, non. C'est selon, en fait, ce qu'ils ont en stock, ça apparaît ou ça n'apparaît pas. C'est bizarre. Bon, 4600... Prospérité à 28, ça augmente. On va passer à vitesse supérieure. Bon, pas tant pis. Bon, ils sont où ceux-là? Ils sont là-bas? Vous occupez même pas d'eux. Bon, ça s'arrête pas de flamber, donc j'abandonne. Yeah.
avait dit des poteries. Je t'ai dit d'aller chercher de la poterie. Qu'est-ce que t'as pas compris dans l'ordre? T'es trop loin d'Adoc, c'est ça? Nos pêcheurs nous informent avec un pomba bloque le trafic. Mais j'ai pas de pomba. J'ai que des ponts surélevés. Ça doit être un bug dans le jeu, ça. Pas de problème. Avec ses armes. Bon, estime de l'empereur 100%. Pas de soucis, pas de problème, tout va bien. La prospérité est à 30, la culture est en train de chuter. Ouais, là c'est bien. Là aussi. Là c'est moins bien par contre. C'est pas une bonne chose les loyers trop. Enfin les logements comme ça trop. Bon résultat, qu'est-ce qu'il leur manque à ces messieurs dames? On va quand même essayer de reconstruire les maisons manquées là. Prospérité à 31. On va essayer de refaire une zone résidentielle, on va essayer de bien s'en occuper. Ouais, mais pour apporter de l'eau là, ça va être. Ça va être folklorique. C'est bien vieux. Voici un truc. Essayez un truc un petit peu. Un petit peu de taré parce que je suis en train de faire ça en accéléré. Un mot de fou furieux, ok, je m'en doutais. Je suis sûr que j'ai dépassé le temps largement de cet épisode-là. Mais je tiens absolument à passer le niveau, donc eh ben... On va bien voir. On va y arriver. Je suis à 4600 en population. Qu'est-ce qui manquait? Lieu de culte. Non. J'ai dit
dans le gros maintenant. On fait du gros. On fait dans le gros. Juste pour ma parano, ça. Allez. Je pense que j'ai tout mis. Juste le petit dispenser. Parce que voilà. On repasse à 100%. Mes 41 directement, arrête de faire des va-et-vient. Bordel, et je suis méga riche. J'ai 22 000 en pognon et mon peuple crève la dalle. Putain, j'ai l'impression de diriger un pays africain. Pourtant, il me semble que sur la carte, on est du côté d'Athènes. Voilà, on est en Grèce. J'en ai marre. Je vous jure, je commence à avoir ras-le-bol. Je sens que je vais bypasser la partie parce que. Oh non! On en est où en force de travail? Ça va, 4%. Ouais, mais attendez, il me faut quand même du. Déconner, il me faut quand même les chantiers de bois. Non. Chantier de bois. Petite pause. Bon, ok. Donc on est à. Oui, je sais. Donc on est à 45 minutes de vidéo. Donc tant pis, allez, je me lance dans un épisode d'une heure pour une fois. Et je tiens absolument à essayer de passer quoi. Faut qu'on passe. Faut absolument qu'on passe. Alors, prospérité. C'est toujours la bouffe qui veut. Toujours la bouffe. Faut que je trouve une solution. Je
chaussons, on n'exporte pas. On pouvait importer. Ah là, on peut importer du vin. On peut importer du vin, tiens. On pouvait pas. Non, ça on pouvait pas en importer, donc c'est bon. Ça j'en stocke encore. Hop, arrêtez de stocker du fruit. Donnez-le à la population. J'ai trouvé également tout ce qui est gravat de façon à augmenter la prospérité. Ça va passer comme ça de toute façon, hein. C'est... Ça m'aide pas. Il manque également 200 de population. Je dis quoi ça? Oh, les deux presses de... à 4900 population, prospérité à 28. Allez, plus que 50 en population et... Ok, je tourne dans les environs des 5000 là, mais... C'est drôle, plus je détruis de gravats, plus ça augmente, mais la population, elle suit pas. Dégâts d'enregistrer. C'est étonnant que les puits de fer ont tenu tout ce temps-là, par contre, parce que c'est assez fragile. Ça, il est plus d'argile. Ah putain, c'est pas possible, j'en ai marre, j'arrive pas à faire monter ma prospérité. Eux là-bas, ils ont son goût. Ça rechute. Et je manque de population. Ici ça veut pas évoluer, ça veut pas, donc on supprime, parce que ça fait chuter ma prospérité. Et d'un autre côté, on a besoin de population, donc on va la recréer ailleurs, tout simplement. Ça, donc c'est bon. Hop.
On va changer de grand temple. On va mettre un peu de céreste. Ça va peut-être nous porter chance sur la bouffe. Ça c'est bon, ça c'est bon. Alors ici, c'est pas couvert. Qu'est-ce que j'ai oublié d'après vous? J'ai vu que j'avais vu dans mes vidéos que j'avais soufflé pas mal de fois dans mon micro, j'en suis désolé. On va voir ce que ça donne. Pas d'impôts. Bon, ok. Force de travail d'utiliser 1% quoi. J'ai du chômage de 1%. Bon, dans 5 minutes, si je suis pas passé, j'arrête. Ou je bypass. M'en vaudrait pas, mais là, ça commence vraiment à m'énerver. Prospérité est en hausse, tu parles, j'ai perdu un point. Bon allez, hop, ici. Non, laisse tomber. Est-ce que ça s'effondre encore? Là. Là. C'est quoi ça? Thank you.
sais plus quoi faire là. Je vous jure, je sais plus quoi faire. Oui. Ah, eux, il leur fait une bibliothèque. Ah, j'aime bien les bonnes nouvelles, genre. Peut-être qu'on se trompe dans le genre. Ah non, c'est bon. Elle est quand même couverte. Allez là, dites-moi que j'ai... 23, putain. Ouais, tant pis. Je peux construire là où il manque des... habitations, parce que... En même temps, c'est parce que j'ai aussi des zones de trop forte densité aussi, hein. Faut dire ce qui est. Écoutez, j'essaye un truc. Ça, tant pis. Ça fait perdre un peu de population, mais je suis sûr que ça fera des bouches en moins à nourrir et que le reste de la population va augmenter. Enfin, va pouvoir réaugmenter. Tout juste en équilibre sous le chômage. Je tente la même chose avec ce quartier là. Je suis à 5000 pile poil là. Allez, hop. Je vais manquer de main d'œuvre, je suis sûr. Ouais, je manque de main d'œuvre maintenant, résultat. Mais, prospérité. On va voir si la prospérité augmente. Je vais la remettre à 5%, la vitesse. Est en hausse. Mais écoutez, ça fait une heure, je n'arrive pas à passer ce niveau, donc je le passe hors caméra et on se retrouve à l'épisode suivant. À plus tard. Oh. Bon, très bien. On se retrouve juste à la fin de l'épisode précédent. On se retrouve juste à la fin de cet épisode. Donc, pour vous dire, voilà, j'ai fini le truc. Juste pour voir. Point dangereuse, point prévisible. Voilà. Donc, on fera le. On se retrouvera pour l'épisode suivant sur cette partie. Je sauvegarde juste. Caesar is traveling this month on a matter which. Et puis. Ah oui. On a des barbares à. À civiliser ici. Ok, bon. On sauvegarde.
Ok, voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous si vous le désirez, laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir, je suis désolé de ne pas avoir pu enregistrer la fin de la partie, mais ça a été très long et ça m'a vachement énervé, mais j'y suis parvenu. Donc voilà, donc sur ce, ben, je vous dis à bientôt.